Bonjour à vous, c'est Nicolas des Neuf Souffles. Je m'adresse à vous là maintenant parce que j'ai envie de vous partager un sujet qui m'est super cher, qui est le lien entre la force et la délicatesse, ou la force et la sensibilité. Alors peut-être, surtout si vous êtes un homme, que ces deux termes ne vont pas naturellement ensemble. Peut-être que pour vous, être dans votre sensibilité ou votre délicatesse va avec vulnérabilité et n'est pas quelque chose qui vous renforce ou qui pourrait vous renforcer. Et je comprends en fait ces oppositions, hein, c'est fréquent dans nos sociétés, ce sont deux choses qui sont relativement clivées. Et toutes les expressions de la délicatesse, peut-être que pour vous, vous les avez dans des espaces très secrets, comme un hobby intime, peut-être que vous avez une expression poétique mais que vous ne montrez pas. Ou que vous avez un regard sur les poètes comme étant des gens un peu décollés de la réalité. Alors je voudrais vous partager un petit peu mon expérience par rapport à ça, parce que je pense que j'ai été quelqu'un très décollé de la réalité à une époque, et particulièrement lorsque j'étais plus jeune, élève chercheur, et que j'étais beaucoup dans le mental. Et que dans cet état d'être dans le mental, en fait, je réalise combien j'étais vulnérable et fragile. Et combien, en fait, avec le temps, donc mon chemin avec Anéna, avec le pratique corporelle, m'a amené à donner de plus en plus de valeur au corps et à être de plus en plus dans mon corps. Et combien j'ai vu en même temps émerger le fait que je puisse me reconnaître comme étant un être délicat et même pouvoir nommer le fait que je suis un poète et que la poésie est extrêmement importante pour moi. Donc j'ai un chemin en fait de fragilité en étant hors du corps à un état de sensibilité en étant dans le corps et en sentant que je prends de la masse, du poids, de la puissance en fait. Et plus que ça va dans les deux sens, si vous voulez. Je pourrais dire que d'un côté, le fait de me sentir puissant me permet d'accueillir ma délicatesse. Et d'un autre côté, je sens vraiment que d'aller en lien avec ma matière de mon corps, avec ma force, me révèle de la délicatesse, et délicatesse en soi, et poésie en soi. C'est vraiment ce chemin-là que j'ai envie de partager et de proposer. Et alors en particulier, j'avais mis en place un stage en ligne qui s'appelait « Chemin de beauté et de force » pour aider les gens, dans le cadre du confinement, de ces situations-là, à sentir de dedans quelles actions ils aimeraient poser. Et dans ce parcours-là, j'avais vraiment réalisé combien l'expression poétique, l'expression imagée, métaphorique de ce que les gens vivaient, était vécue comme puissante par eux. C'est-à-dire, d'abord comme étant d'une clarté beaucoup plus grande, un pouvoir d'évocation beaucoup plus grand que l'analyse, de mettre des qualificatifs sur ce que je ressens. Quand je mets des images, c'est beaucoup plus fort. Et les mettaient en lien avec leur propre puissance. Donc j'ai décidé de créer un e-learning que j'ai aussi appelé « Chemin de beauté et de force », qui sont des étapes pour aller dans le mouvement, dans les sensations corporelles, ce sont des cheminements dans différentes facettes de nos sensibilités pour vraiment plonger dans cette poésie qui est en nous. Donc c'est un e-learning qui va être disponible dans peu de temps, quelques jours, en ligne, dans lequel j'espère que vous trouverez beaucoup de gourmandise à plonger dans les facettes vivantes de vous pour donner la place à cette délicatesse et pour vous sentir vraiment beaucoup plus fort en fait, beaucoup plus puissant dans votre présence et aussi peut-être beaucoup plus inspiré dans ce que vous avez envie de poser comme pas dans votre vie. Voilà, donc c'est bientôt. Je vous invite à rester attentif. L'information va bientôt être en ligne sur par notre newsletter ou sur les réseaux. Et je vous souhaite vraiment bienvenue dans ce chemin de beauté et de force. Il y a deux choses qui m'ont surprise. La première, c'est que c'était un rendez-vous donc, que je m'étais donné régulièrement, c'était à peu près tous les 2-3 jours. Et à chaque fois, j'y allais presque en sautillant de plaisir parce que, un, je trouvais vraiment des ressources surprenantes, c'est-à-dire que je me suis surprise à écrire des choses sur mon état, sur mes pensées, sur mes visions de ma part active, ma part lumineuse ou ma part sombre, qu'est-ce qui me retient d'être vraiment moi-même, etc. Ça m'a vraiment surpris alors que ça fait, j'ose même plus dire combien de temps je danse et je travaille sur moi, mais ça m'a pris d'un côté qui m'a vraiment enrichi.
Et l'autre chose qui m'a surprise, c'est qu'en dehors de cette poésie, parfois lyrique, que je pouvais déployer sur moi ou mes états et mes pensées et mes actions, j'ai trouvé une ressource pour l'action. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus surpris, parce que on se dit chemin de beauté, de force, bon, on va voyager, ça va être joli, je vais me changer les idées, je vais enfin trouver des moments un peu lumineux dans ma vie. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est une vraie ressource pour agir. C'est comme une autre pierre à l'intérieur de soi. Je dis le mot pierre parce que ça dépose à un endroit qui ancre d'une manière originale, poétique, mais surtout qui est une bonne, excellente base pour se mettre à agir différemment. Et peut-être à agir avec la sensation qu'on se respecte, qu'on se respecte profondément et qu'on respecte aussi la part sensible de la vie profondément. Voilà ce que je suis heureuse de vous partager pour vous, pour soutenir cette magnifique création que Nicolas a fait. Et voilà. À bientôt.